C'est parti pour les soldes de 2023, allez, let's go! Allez, c'est parti! Voilà, c'est bon. Résultat, 3 jeux, 32 euros. Ils sont là. Bon, bah, le sac est bien rempli. Regardez. 3 petits jeux. Donc, c'est parti pour le suite. C'est parti pour Cultura. Est-ce qu'il y aura des soldes? C'est parti pour le rayon jeux vidéo. Voilà, maintenant il va falloir les payer. C'est ça qui est bien rempli, vous voyez, bon, 70%. Allez, c'est parti, on paye. Bon bah voilà les soldes au champ. C'est pas ouf, hein. C'est parti pour la Fnac. C'est parti. C'est prêt? Voilà, c'est parti. Ah là, mais il court trop vite. Et c'est parti pour les soldes de 2023. Alors, il y a eu pas mal de choses. Hein, bon, je suis allé à un Carrefour où c'était au début Walking Dead, il n'y avait personne. Et après, ça s'est transformé et c'était vraiment l'horreur. C'était rempli de monde. Donc du coup, je pensais voir Cockerax, mais malheureusement, il a été dans un autre Carrefour que celui qu'il fait habituellement. Donc il a changé, il a même dit dans sa vidéo. Donc coucou à toi, Cockerax, si tu regardes cette vidéo. Du coup, j'ai quand même extirpé quelques petites frites malgré qu'il n'y avait pas des choses de folie. On avait, je pense que tout le monde a pu voir dans les carrefours, on a pu voir des Léa, je crois, des trucs de chevaux, des bébés, des trucs comme ça, bon, des titres classiques. J'ai quand même réussi à extirper quelques titres assez intéressants à jouer. Donc là, je rentre surtout de la Nintendo Switch à Carrefour. Alors, il y a 3 jeux, c'est pas énorme. Je vais commencer par, tiens, on va probablement faire celui-là, on va faire celui-là. Je ne connaissais pas du tout ce titre-là, c'est la première fois que je le vois, c'est le Stranded
Sails, Explorer of the Cursed Island. Cursed. Donc voici, alors attendez, hop, le reflet, c'est pas terrible. Donc c'est un jeu Switch, alors je ne sais pas ce que c'est, mais ça dit que Stranger Cell est un jeu d'aventure. Donc ouais, je lis ce qu'il y a écrit, hein. Un jeu d'aventure d'exploration en monde ouvert, rempli de quêtes et de secrets. Donc ça doit être un truc un peu à la Zelda. Je vais montrer un petit peu les images si on voit bien, je sais pas si on les voit bien, c'est un peu flou. Donc vous avez fait naufrage avec votre équipage. Résolvez les mystères des îles maudites et échappez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Bah franchement, ça m'a l'air pas mal ça. Bon, le seul problème, c'est comme vous avez pu remarquer, il y a une petite étiquette blanche. Hein, si signifie que c'est un code de téléchargement. Donc en gros, j'ai payé juste la boîte, ouais, et je vois pas la cartouche dedans. De toute façon, il y a 9 sous blister, donc c'est... À la base, j'aime pas trop prendre du matérialisé, mais ça me tentait bien quand on voit l'image. Ça me tentait bien, et j'avoue que, voilà, un peu à Zelda... Des quêtes, tout ça, ça va pas mal. Donc celui-là, il était à 3€. Regardez-moi ça, 3€ au lieu de 6,50€. Je ne connaissais pas du tout, j'ai jamais vu. Donc ça, c'est bien pour la collection, hein, bien sûr. C'est tout pour la collection, là. Donc le deuxième jeu que j'ai pris, qui était un peu plus cher par rapport à celui que j'ai pris en premier, c'est le Little Dragon's Coffee. Café ou coffee. Je sais pas si on le dit en français, à la française. Avec un... Ah, c'est une fourchette, je crois que c'était un point d'exclamation. Des petites fourchettes. Donc celui-là, je sais que c'est un jeu... C'est pareil que l'autre, sauf qu'on tient un café, je crois, si je dis pas de bêtises. On va lire ce qu'il y a écrit derrière quand même, tiens. Pour que vous voyez, je vous switch un peu le jeu. Donc, bah tiens, je vais mettre un extrait du jeu en même temps que je parle. Enfin, un truc comme ça. Alors ça dit, dirigez votre propre café. Occupez-vous de votre dragon. Découvrez les zones chassées... Ah non, découvrez des zones, chasser des bêtes, j'ai oublié la petite virgule, dangereuses et explorer le monde. Donc ça a l'air pas mal du tout ça, petit jeu d'aventure. Pareil, c'est un petit peu à Zelda. Vous avez pensé à Zelda? Regardez-moi ça. Deux petites images, vous avez pu voir les images et extraits. Ça m'a l'air pas mal. J'ai cru que c'était Ben Laden. Au début, j'ai cru que c'était Ben Laden, j'ai fait merde, qu'est-ce qu'il fout là lui? C'est trop peu de jeu là. Donc celui-là était à 14,90€. C'est marqué sur l'étiquette, j'ai essayé l'étiquette, hein. Et je l'ai eu à 7€. Donc c'est très bien de récupérer des jeux comme ça. Celui-là, c'est pas un code de téléchargement, je vois bien la cartouche. Je sais pas si on le verra bien, mais on voit bien, il y a une petite tour là. Voyez. Donc l'autre, on voit pas, hein, on voit que c'est vide. Hein. Vous voyez, je sais pas si on verra bien, mais on voit bien que c'est vide, les ports cartouches. On pourra toujours mettre une cartouche en 12. Hein, si un jour je trouve une cartouche en 12, j'en ai pas encore. Et le dernier jeu que j'ai récupéré à Carrefour, parce que après j'ai fait Culture à Fnac, vous allez voir. Donc j'ai rentré un jeu, c'est le plus cher de ce lot, c'est le jeu Triangle Stratégie. Alors j'ai vu que Cocorax l'a récupéré lui aussi, au même prix, je crois que c'était 22€, c'est ça, 22€ au lieu de 44,50€, hein, de toute façon j'aurais pas payé 44,50€ ce jeu. Déjà la jaquette, ça donne quand même envie, le titre c'est un peu mystérieux, bah, déjà Stranger c'est, c'est Triangle pardon. Triangle, et là c'est stratégie, bon c'est stratégie du triangle hein, tout simplement en français. Donc ça doit sans doute, il doit y avoir un truc avec un triangle, hein. J'imagine bien que ça doit pas être ovale. Hein. Donc qu'est-ce que ça nous dit ça, avec ça du jeu plonger au cœur d'une histoire palpitante aux multiples ramifications. Vos choix dicteront les conflits. Graphisme en HD 2D, mêlant pixel art et 3D. Un style visuel puissant conçu pour donner vie à cette chronique de guerre épique. Affrontez vos ennemis lors de combats stratégiques complexes. Un RPG tactique qui bouclera vos convictions. C'est ce qu'il y a écrit sur la boîte, hein, je ne suis pas fait chier. J'avoue que j'aurais pu, mais c'est des jeux que je ne connais pas. Donc j'essaie de prendre des jeux que je ne connais pas pour la collection et aussi pour y jouer. Alors le problème, c'est que pour l'instant, je ne peux pas faire de let's play. Parce que j'ai un petit problème avec l'ordinateur qui veut toujours pas faire de live, c'est ça qui est chiant, et surtout qu'il faut le câble pour pouvoir directement jouer sur le PC. Je voudrais jouer directement avec la Switch, ça serait mieux que d'avoir un retour écran. Voyez, j'ai pas le bloc qui permet de mettre la Switch. Donc voilà, j'ai payé ce jeu 22€. Donc c'est tout ce que j'ai récupéré à Carrefour, donc ces trois petits jeux, donc le Triangle Stratégie, le Little Dragon Coffee, donc le petit dragon, le café du petit dragon, on va dire ça comme ça, et le Stranded Sails Explorer of the Cursed Island. Donc voilà ce que j'ai récupéré
à Carrefour. Et ça sera joué, j'aimerais bien le jouer avec vous en let's play. Ça, vous voyez, vous pouvez m'aider. On va passer tout de suite au second magasin que j'ai fait. Et ces magasins, c'était Cultura. Cultura, vous le connaissez tous, hein. Je ne vous le présente pas. Magasin connu qui a remplacé beaucoup de Virgin Megastore. Moi, je sais comment ça a remplacé mon Virgin Megastore à la Défense. Du coup, j'ai réussi quand même, malgré que je sois allé à Carrefour Auteuil et faire tout le tour jusqu'à à Cultura qui ouvrait à 9h. Je suis arrivé à 9h30, j'ai quand même réussi à extirper deux petits titres intéressants. Donc ça c'est pour garder pour plus tard. Je l'ai déjà débisté, je voulais le garder en blissé. C'est le Pokémon Perle, version Perle. Perle Scintillant, pardon. J'ai version Perle. C'est Perle Scintillant. Donc celui-là était à moins 70% de 44,99€. Donc c'est fait 15€, je crois 15€ et quelques. 15,99€, je crois, un truc comme ça. Enfin, bref, vous connaissez mieux quelques que moi. Hein. Donc voilà, j'ai récupéré ça. Je sais que j'ai le bundle. Non, j'ai pas ici le bundle. J'ai le gros bundle avec Perle Scintillant et le diamant étincelant. Là, du coup, bah, je rentre à l'unité. Donc pour plus tard, dans quelques années, on sait jamais. Ça servira toujours. Et les derniers jeux que j'ai pris à Cultura, vous avez dit, c'est pas énorme comparé à la dernière. Bon, la dernière, c'était pas la dernière, c'était au mois de janvier. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai l'impression que c'était la dernière, mais en fait c'était au mois de janvier. Donc je récupère un jeu PS4, un collector, c'est le collector de Among Us. Il fait un bruit bizarre hein, dedans. J'entends un petit truc qui se bade. Je sais pas s'il y a une bestiole, un cafard dedans. Donc ce qui est bien, c'est que bien sûr, vous voyez, hop, c'est l'articulaire. Vous voyez les petits trucs qui se passent. Alors Among Us, je sais que c'est un jeu. Alors j'y ai pas jamais joué. Je vous avoue que j'ai jamais joué. Hein, honte à moi. Mais bientôt je pourrais y jouer bien sûr. C'est un jeu qui se joue surtout à plusieurs. Hein. Il me semble que c'est surtout. Ouais c'est ça. C'est une... On peut peut-être quand même jouer un players. Donc c'est un jeu où on enquête. Il y a un qui est en gros le méchant. Et les autres qui sont les gentils, ils doivent trouver le méchant et le méchant il doit se faire passer pour un gentil, vous savez, pour éviter de se faire repérer. Et il doit, je crois, saboter, si je dis pas de conneries. Alors, et peu de let's play que j'ai vu de certains, dont Edouard, je peux te regarder la vidéo, Edouard qui est très connu dans le monde du gaming, parce qu'il fait des vidéos. Et il a fait des vidéos sur ce jeu, Among Us. Et je sais qu'il y avait beaucoup joué avec sa copine et ses amis. En let's play ou en live, peu importe. Du coup, ouais, c'est un jeu, donc voilà, comme je vous ai dit. Mais par contre, c'est un jeu où on joue surtout à plusieurs. Parce qu'il y a un qui est coupable et les autres sont les gentils. Et ils doivent trouver le coupable et on doit saboter. Je crois qu'on doit saboter le vaisseau où on est. Si on est méchant, on doit saboter le vaisseau. Et tout en essayant d'éviter que les mecs nous repèrent et trouvent que ce soit nous le méchant, quoi. Et ils nous tuent à la fin, quoi. On finit mort. On finit mouru. Donc celui-là est en multilangue. Alors je vais vous lire ce qu'il y a écrit hein, sur la boîte. Rejoignez vos coéquipiers dans un célèbre jeu de coopération et de trahison dans l'espace. Vous voyez, trahison, hein, carrément. Contient le jeu de base et tous les objets DLC. Un DLC exclusif. Une planche de stickers. Une des 12 cartes spéciales d'accès au graphique. Ah pas mal. Mira HQ. Un poster de la carte et de 6 fronts d'écran digitaux pour PC et mobile. Allez donc. Donc et en plus possède aussi un cafard intégré à tailleur. Vu le bruit que ça fait. ASMR. Instant ASMR. Bon, je sais pas si on entend mais. Je sais pas ce que c'est. Un morceau de boîte qui est cassé à mon avis. Donc c'est la version PS5. Donc moins 70% de 19€. Je vous laisse deviner le prix. Ça fait 6€, un truc comme ça. C'est 5,99€, un truc comme ça. Pas mal. Donc c'est tout ce que j'ai récupéré dans ce Cultura de la Défense. Voilà. Je pense que vous savez, vous avez compris que c'était celui-là. Maintenant on va passer à la Fnac. Et là c'est quand même celui où il y a le plus de choses. C'est la Fnac. Donc on va commencer. Voilà, c'est parce que là, franchement, il n'y a que des bons titres. Je peux vous dire que c'est que des bons titres. Donc on va commencer par, j'ai récupéré, hop, je vais les mettre comme ça, j'ai récupéré carrément, parce que là ça donne envie, deux Wonder Boy Collections. Voilà, il y a deux, là je ne pouvais pas rester, il y en a avec deux. Donc j'en garde un exemplaire à ouvrir et un exemplaire sous blister, pour plus tard on ne sait jamais. Donc ça fait vraiment plaisir de rentrer ça parce que là,
Il y a du lourd. Je vous dis ce qu'il y a dedans. Donc déjà c'était moins 30% de 29,99€. Ce qui me revient à 7-8€, je crois, un truc comme ça. 8€ je crois, un truc, ça va être ça, 8€. Donc What About Collection, ça comprend quoi? Regardez, c'est marqué dessus là, ça comprend 4 games. Vous voyez, c'est marqué dessus, c'est 4 games. Donc ça comprend le Wonder Boy. Le Wonder Boy in Monsterland, le Wonder Boy in Monster World. Et le Monster World 4, regardez bien ça, comme c'est beau, ça c'est magnifique. Voilà, carrément 4 titres qui étaient issus de la Master System. Il y en a peut-être un qui est sorti sur Mega Drive, je suis pas sûr là par contre. Je sais que celui-là c'est Master System. Celui-là il me semble aussi. Mais j'avoue que celui-là, je me demande s'il est pas sorti sur Mega Drive, ça me dit quelque chose. Bon, enfin, je suis pas spécialiste dans les derniers Wonder Boy. Le Monster World 4, je ne possède pas, donc c'est peut-être une bêtise. Donc celui-là, je l'ai récupéré pour moins de 30% de 29€. Donc comme je vous l'ai dit, ça fait 8€. Et le deuxième titre que j'ai récupéré, c'est un... Bon, le troisième titre que j'ai récupéré, celui-là, il est bien lourd. C'est un... Dans la même lignée que celui que vous venez de voir, hein, donc au Wonder Boy. C'est dans la même lignée, puisque c'est un Alex Kidd. Alex Kidd... Ah non, c'est pas pour rien. C'est Alex Kidd, tout court, avec 2D. Pas en 2D, mais en 1D. Ouais, en 2D, si, en 2D. Du coup, c'est In Miracle World. Donc inclus, il y a même inclus, contient un porte-clés carrément. C'est pas mal, hein. Donc ça j'ai pris, c'était obligé. Donc dedans, qu'est-ce que ça nous dit? C'est en anglais. Ah non, c'est bon, c'est en français. Donc ça nous dit, la légende est de retour, Alex Kidd est de retour pour fracasser des pierres, collecter des pièces et s'attaquer au boss une fois de plus. Donc celui-là, je crois que je l'ai possédé sur PS4 parce que j'aime bien les avoir sur PS4 et aussi de posséder sur Switch. Parce que PS4 c'est bien parce qu'on peut avoir comment ça s'appelle, les trophées. Ça fait plaisir les trophées. Non, je le laisse sur PS5. Sur PS5 celui-là. Ça va pas sur PS4. Je le laisse sur PS5. Donc c'était à moins 80% de 34,99€. Je pense que ça a dû faire 6€, un truc comme ça. Je vais voir le calcul, hein, je préviens. Hein. Le quatrième titre que j'ai récupéré, c'est un classique pareil. Mais c'est dans les mêmes lignées, mais un peu plus loin. Et celui-là, il est même PEGI 16. Mais je dirais même PEGI 18, parce que des fois on sait qui c'est, ce personnage là, puisque c'est le Leisure Suit Larry White with Dreams Dry Twice. Donc ce jeu là, je pense que je vous présente pas, c'est un point and click des années 90, si je dis pas de bêtises, c'est un point and click des années 90. C'est pas un remake, je crois, hein. C'est un nouveau titre. Donc c'est la suite, quoi, en gros. Et franchement, ça donne envie. Alors celui-là, il est blisté, mais vous voyez, c'est pas le vrai blister officiel. Donc ouais, il y a bien les cartouches à l'intérieur. J'espère qu'il n'y aura pas une surprise, hein, à l'intérieur. Bon, j'espère qu'il y aura bien le jeu dedans, que ce soit bien le bon jeu, parce que c'est pas le vrai blister. Hein. Allez, c'est pas le vrai blister officiel, donc ça fait un peu peur. C'était le seul qu'il y avait. Hein. Tous les jeux, c'était les derniers qu'il y avait, donc il n'y avait pas d'autres. Donc qu'est-ce que ça dit celui-là? Explorer l'archipel de Alors c'est dur à dire. Hein. Kaloa. Et profiter du soleil des Caraïbes. Bah ouais, bah pourquoi c'est dur à prononcer. Certaines femmes résistent aux plus farouches. Attends. Oh. Certaines femmes résistent plus farouchement, pardon, aux avances de Larry. Vous voyez, ça commence bien. Hein. Vous allez voir l'image derrière. Ne laissez pas de vulgaires énigmes vous empêcher de trouver Fate. Un nouveau consortium bien décidé à vous mettre les bâtons dans les roues. Ah, il y a pas mal de texte derrière. Hein, je vais vous le lire. Salut les filles, le moment est venu de vous mouiller. Ouh là là, de vous mouiller à nouveau. Hein. Bon, c'est de l'eau, hein. C'est-à-dire elle se lave, on va dire qu'elle se lave. Bon, peut-être pour prendre de l'eau, il faut peut-être se mouiller avant d'aller à la plage. C'est peut-être ça qu'il veut dire, à mon avis, ça doit être ça. Hein. J'ai quitté New Lost Wags et je me suis retrouvé à Conquem où je m'apprêtais à épouser ma dulcinée, Fess. Fate, F-A-I-T, hein, H. Elle se trouve quelque part dans l'immense archipel de Kaloa, et je dois la retrouver. Aidez-moi, si je trouve pas rapidement, je crois que je vais devenir fou. Explorer l'archipel de Kaloa avec ses îles mystérieuses et magnifiques, retrouver les nouveaux et anciens compagnons de White Dreams, Don't Dry et séduisez de toutes nouvelles conquêtes. Vous voyez comment ça commence, hein. Alors qu'il a une meuf, le mec. Hein.
aider Larry à résoudre de nouvelles énigmes difficiles et palpitantes, et parfois légèrement érotiques. Attention, moi, j'hésite. Donc voilà, là j'ai marqué Peggy 16, mais en fait ce serait presque Peggy 18, hein, parce qu'il y a marqué, là, regardez, érotique. Attention, hein. Donc bon, vous voyez déjà, ça annonce la couleur. Je sais pas si vous voyez, on va dire que voilà, c'est une fleur. Voilà, c'est quelle fleur? Je dirais pas laquelle, hein, la fleur d'une certaine femme, quoi. Voilà, donc ce Laser Suite, c'était moi 4%, bon, il n'y a pas le prix, mais je sais que je l'ai payé dans les 5 euros celui-là, ou 6, un truc comme ça, c'est marqué sur le ticket. Et le dernier jeu que j'ai pris dans ces soldes, c'était à Fnac, c'est un jeu PS5 encore, c'est le deuxième, je crois, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est le deuxième jeu PS5, parce qu'il n'y a que les Switch et deux jeux PS5, c'est le jeu Guilty Gear Strive, voilà. Donc il y a marqué carrément le prix dessus, hein. Moins 70%, ça m'est revenu à 12 euros. Donc c'était moins 70% de 39,99 €. Et là c'est bien parce que j'ai la réponse, comme ça je ne peux pas me tromper. Je l'ai payé 12 euros. Donc ça dit quoi? Si tel est le souhait du monde, pourquoi les gens résistent? Point d'interrogation. Après 20 ans de combat acharné, l'histoire légendaire de la saga Guilty Gear dévoile un nouveau chapitre. Les destins enchevêtrés de nombreux guerriers se dirigent désormais vers une conclusion aussi inexplorable que spectaculaire. Des graphismes splendides dignes d'un véritable film d'animation, de l'action et des scènes épiques qui rendent chaque affrontement inoubliable. Point d'exclamation, c'est écrit dessus. Ah, c'est moi qui... c'est pas moi qui le dis, c'est le jeu. Donc à voir, à tester. J'avoue que les graphismes, c'est beau. Hein. J'avoue, alors je ne connais pas le jeu. Ça sera fait en let's play, puisque c'est de la PS5, ça sera plus facile à faire. Puisque la PS5, je peux le faire. Je peux, oui je peux. Donc ça, ça sera fait en let's play. Voilà, du coup, voilà ce que j'ai récupéré. Donc c'était moins 70% de 39 euros. Ça fait 12 euros. Là, c'est facile à compter. Voilà ce que j'ai récupéré. Du coup, ça fait tout ça. Regardez-moi ça. Tout ça. Et tout ça. Et j'ai rien oublié, c'est bon. Voilà, ça fait... voilà. J'ai récupéré tout ça de jeu. Bon, c'est pas énorme. Il y a 2, 4, 6, 8, 10 titres. 10 titres totalement inédits pour moi, la plupart. Sauf peut-être avoir les Wonder Boy. La plupart, ouais, c'est des jeux que j'ai jamais joué. Exceed et les Wonder Boy. C'est les jeux, seuls jeux que j'ai joué à l'époque. Du coup, merci d'avoir regardé ces vidéos de soldes. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire et à vous. Ciao!